aujourd'hui vous parler du sujet « Les parents devraient-ils exiger une participation financière à leurs enfants ?» C'est une catastrophe. Que dis-je ? C'est épouvantable. Tout officiel, ma vie est totalement bouleversée. Vous vous demandez ce qui a bien pu m'arriver pour me mettre dans un tel état ? Laissez-moi vous raconter. Après une journée épouvante, me voilà de retour chez moi. Alors que je me dirigeais vers ma quête ô combien importante de détente, je vois mes parents assis, les mains croisées, le dos droit et les yeux fixés sur moi. Des signes d'une discussion qui ne va pas du tout me plaire. C'est alors que ma mère comprend mes parents. Avec ton père, on a bien discuté, Léonore. T'as pu remarquer, en ce moment, le prix du carburant, c'est la folie. Bon, on a une aide de 100 euros. Elle nous a aidés, mais ce n'est pas suffisant. Je ne te parle même pas du prix du café, qui va augmenter de 5 à 10%. Bon, on ne boit pas de café, mais quand même. C'est pourquoi nous aimerions que tu nous aides. Et ce, financièrement parlant. Choc, désillusion. Les mots ne sont pas suffisants pour exprimer mon ressenti. Vous l'aurez compris, je ne suis pas spécialement partante pour cette aide financière. Et ce, pour deux raisons. La première me paraît assez évidente. Si l'on considère que cette intervention arrive à nos 18 ans, cela reste relativement compliqué pour nous, simples étudiants. Car oui, on ne va pas demander à un enfant de 7-8 ans de donner de l'argent. Je ne sais pas si on qualifie ceci de maltraitance ou d'exploitation. Pas convaincu ? Imaginez, voilà vos 18 ans. Petit retour en arrière pour certains. La douce indépendance pointant le bout de son nez. Les premiers petits jobs pour mettre de l'argent de côté. Quand tout à coup, on vous demande à vous, oui à vous, de verser un petit pécule. Alors je vous prie de me pardonner, mais à cet âge, mais les priorités sont autres. Les livres, pour nos études, approfondir nos connaissances. Comment ? La soirée du 22 ? Mais bien sûr, j'y vais. Des boissons ? Mais je rapporte, j'ai l'argent pour ça. Désolée, je ne pourrais pas venir. Tu sais, je suis étudiante, l'argent c'est compliqué. Passons au deuxième argument et pas des moindres. D'un point de vue légal, un enfant a l'obligation d'aider un parent seulement